Voilà, donc ce que je te propose, c'est de faire un enracinement et puis un réveil avec un désauto-massage. Ensuite, des petits exercices de circulation. Et on finit par ce petit enchaînement qui est très court, qui n'a pas vraiment de nom, mais je l'ai appris de quelqu'un qui est parti, enfin de mon enseignante qui est partie sur les monts Wudang et qui a ramené. Ils s'en servent eux comme échauffement. Mais en fait, c'est une petite perle parce que vraiment, ça va dans toutes les directions, dans tous les sens, et c'est très plein, c'est très rond et complet. Voilà. Si jamais à un moment donné tu me vois pas ou tu m'entends pas ou ben tu me fais signe et j'essaye d'ajuster parce que là le soleil va arriver de nouveau sur moi, peut-être que tu verras pas bien. Ouais, déjà, je te vois moins bien que tout à l'heure. Et là j'ai pas trop la possibilité de me décaler autrement. Mais ça va, je te vois encore. Voilà, mais je t'invite à te mettre debout. Et à commencer à taper des pieds légèrement par terre, comme si tu étais, toi, un peu un Indien au coin du feu. Et à chaque pas, allez déposer un peu de ton poids à la terre. Voilà, tout est complètement souple, tout est complètement détendu. Il y a juste cette petite marche. Comme si tu faisais coucou à la terre, comme un enfant qui vient et qui tapote sur ton bras pour te dire coucou, je suis là. Voilà, nous, on va faire coucou à la terre. Et comme on est un peu enfermé et qu'on n'a pas la possibilité d'avoir les pieds dans l'herbe, on va faire appel à notre banque de données sensorielles. On a tous la mémoire d'avoir marché dans l'herbe à un moment ou à un autre. Et bien là, on va penser que chaque fois que notre pied touche le sol, on sent la terre sous la plante des pieds. On sent l'herbe. Et on laisse la sensation remonter. Voilà, et puis on va laisser le piétinement s'arrêter. Et on va sentir comment ça se passe au niveau de la plante des pieds. Et comment la terre répond à notre appel. Comment la terre nous permet de nous déposer. Et de là, on va pouvoir laisser partir nos racines. On va les laisser s'enfoncer. Elles vont là où elles doivent aller. Là où elles vont pouvoir puiser les ressources. Et on va les laisser s'enfoncer très loin. Dans la terre qui les accueille, dans sa grande générosité. Et puis ensuite, on va remonter la conscience dans le corps. On va traverser notre corps, on va venir se mettre au sommet de la tête et on va faire partir nos racines célestes. On va aller au contact de notre source. Très haut, très loin. Là où il est juste qu'il soit. Et on va entrer en contact avec la source qui nous abreuve dans sa grande générosité.
Puis on va revenir se placer au centre de nous-mêmes. Et on va prendre quelques respirations pour accueillir, savourer les courants ascendants qui montent de la terre et les courants descendants qui viennent du ciel. On essaye de percevoir comment est-ce qu'ils circulent dans notre corps. Est-ce qu'il y a des tensions par endroits qui les empêchent de bien se répandre? Est-ce qu'il y a des trop-pleins, des trop-vides? Et avec le souffle, on laisse les courants s'harmoniser. Puis on va ouvrir les yeux s'ils étaient fermés. Et on va venir les placer juste en dessous de l'horizon. Et si on est dans une pièce fermée, on va agrandir notre regard. Il va aller à l'horizon, au-delà des murs. Et on va venir chauffer les mains d'abord en les frottant l'une contre l'autre. On va faire venir le feu de la terre, le feu du ciel dans les mains pour les réchauffer. Et on va venir lisser le front. C'est avec la paume ou avec, c'est avec quoi? Comment? Tu lisses comment avec... Avec la paume de la main qu'on a fait. Qu'on la a paume, fait, c'est ça. On va venir lisser le front. Ensuite, avec l'index et le pouce en pince, on va venir pincer les sourcils et dessiner, redessiner la ligne des sourcils. Et on peut étendre le geste, l'allonger, comme si on ouvrait des portes sur les côtés par nos sourcils. Puis on va venir tourner autour des yeux. Alors, c'est-à-dire hein, avec les doigts? Voilà, avec les doigts, avec le bout des doigts. Tu n'arrives pas à me voir en fait. On tourne dans un sens et puis dans l'autre autour des yeux. Et on chauffe à nouveau un petit peu les mains. Et on va venir placer les paumes toutes chaudes sur les yeux. Voilà. Et on chauffe encore un petit peu les mains. Et on va venir avec les deux index le long du nez. Et on va frotter énergiquement. Et puis toujours avec les deux index sous le nez et sous la bouche.
Puis on va venir masser les joues. Puis entre le majeur et l'annulaire, on va écarter les doigts et glisser nos oreilles et on va frotter. Et puis, on met nos mains en griffe comme ça et on griffe le crâne pour redescendre par derrière. On monte par le front et on redescend à l'arrière. Voilà. Maintenant, on va croiser les bras et tapoter dans le creux des épaules avec les mains. Et puis, on va tapoter à l'intérieur du bras, vers le coude. Puis du coude vers le poignet. Du coude vers le poignet. Est-ce que tu veux que j'essaye de rentrer l'ordinateur et que je sois à l'ombre vraiment? Peut-être, essaye, ouais. Parce que je te vois, mais je vois pas tout.